Ce mardi 4 juin, Élodie Frégé, qui était de passage dans l'émission Télématin, a eu une belle surprise. La chanteuse a pu découvrir un message de son ami et ex-académicien Michal. Et ce dernier a bien changé. En ce moment, l'émission Télématin réserve son lot de surprises. Chaque fois que le programme commence, de nouveaux animateurs prennent les commandes la matinale. Hier, c'est Adrien Rohard et Lucie Chaumette qui étaient à la présentation. Le journaliste en a même profité pour révéler que sa collègue s'était mariée durant le week-end. Ce mardi 4 juin, Thomas Soto était de retour. Il n'était pas accompagné de Marie Portolano, enceinte de son troisième enfant, mais de la jeune mariée. Ensemble, ils ont reçu la chanteuse Élodie Frégé. L'artiste qui est à la fois auteur, compositrice, interprète et comédienne, a évoqué sa présence au Festival de la Correspondance de Grignan auquel elle participera le 4 juillet prochain. Ce jour-là, elle lira la correspondance de Marilyn Monroe. Michal surprend Élodie Frégé et étonne avec son changement de look à l'occasion de cette actualité. Élodie Frégé a répondu aux questions des présentateurs et a même eu une petite surprise. On se souvient de vous aussi parce que vous avez gagné la Star AC en 2003, déclare Thomas Soto, et un de vos vieux copains de l'époque ne vous a jamais oublié, il ne vous a pas écrit de lettre, mais il a un message pour vous. De là, Élodie Frégé découvre un message de Michal. L'ex-académicien arbore un look totalement différent de d'habitude avec une longue barbe et une moustache. Mais surtout, exit les cheveux bruns, le finaliste commence l'été avec les cheveux blonds décolorés. De quoi surprendre les téléspectateurs puisqu'il est méconnaissable. Élodie Frégé découvre un message de Michal, Star Academy 3, bonjour ma princesse, si est-il Michal, si est-il moi et toujours moi depuis 20 ans déjà. Je voudrais te laisser ce petit message pour te dire quelque chose que tu sais déjà très bien. Si est-il pour te dire que je t'aime, que je suis très fier de toi, que je suis très fier d'être ton ami et ton frère de cœur. Je t'embrasse, je t'aime, déclare-t-il. La gagnante de la Star Academy 3 est touchée par ce message inattendu, qu'est-ce que je l'aimais.